Hello à vous, j'espère que vous portez bien. Moi aussi, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est un tuto qui va vous permettre de booter votre clé USB à l'aide d'un outil. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne maîtrisent pas comment, on peut booter une clé USB avec la commande CMD. Avec cet outil, vous pouvez booter la clé USB et y ajouter le système d'exploitation en même temps. Donc, je vous prierai de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Car à la fin, je vais vous donner le lien où vous pouvez aller télécharger cet outil-là. Je vous reviens tout de suite après le DINK. Comme je le disais, c'est un tuto qui va vous permettre de booter votre clé USB et d'y ajouter un système d'exploitation en même temps. Spécialement pour ceux ou celles qui ne maîtrisent pas comment booter une clé USB avec CMD. Alors, il vous suffit premièrement de télécharger Rufus sur le site officiel de Rufus. Pour ceux qui n'ont pas le site officiel, je vais vous donner le lien à la fin de la vidéo. Donc, je vous prierai de regarder jusqu'à la fin. Donc, vous allez lancer Rufus en tant qu'administrateur. On fait exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Et après ça, on va choisir la clé USB ici. Moi, j'ai une clé USB de 64 Go qui est branchée. C'est pourquoi Rufus a choisi ça automatiquement. Et à partir d'ici maintenant, on va choisir le système qu'on veut booter. Donc, vous pouvez télécharger aussi un système d'exploitation dans un site où je vous ai montré dans mes vidéos précédentes, je vous ai montré un site où vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, des logiciels, des systèmes d'exploitation, et voire même sur le site officiel de Windows, vous pouvez aller là-bas télécharger des systèmes. Sinon, je vous laisserai aussi le lien à la fin de la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur Select pour choisir le système d'exploitation. Je vais prendre Windows 10. Je vais ouvrir ça. Et là, vous allez voir, ça c'est Windows 10. Installation standard de Windows. On n'a plus rien d'autre à changer à part tout ce qu'il a choisi. Il a choisi automatiquement. Donc on n'a plus rien d'autre à choisir. Ici, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez changer le nom de la clé USB. Par exemple. Voilà, moi j'ai mis ça. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur démarrer. On fait démarrer et on va patienter jusqu'à ce que ça se termine. Et voilà, c'est la copie des fichiers qui est en cours. Donc, il vous suffit juste de patienter jusqu'à ce que ça fasse 100% pour continuer. On vient de terminer le boot de votre clé USB et avec le système d'exploitation dedans. Donc une fois que c'est terminé comme ça, vous pouvez cliquer sur fermer. Vous voyez, c'est prêt. Vous pouvez cliquer sur fermer et vous allez venir vérifier la clé pour voir si réellement. Et voilà, notre clé est là. Windows 10 boot. On va maintenant éjecter la clé pour vérifier si ce qu'on a fait a marché. On va éjecter la clé comme ça. On va rebrancher la clé pour vérifier. Et voilà, l'icône de la clé a changé. L'icône de la clé a changé. Voilà, l'icône de la clé a changé. Ça prend la forme d'installation d'un système maintenant. Donc vous venez à peine de booter votre clé USB avec le système dedans. Donc ce qui vous reste à faire, vous le savez, dans mes vidéos précédentes, je vous ai montré comment on peut installer un système d'exploitation. Il vous suffit juste d'éjecter la clé, d'arrêter le système d'exploitation, de rebrancher la clé et maintenant d'allumer
et en appuyant soit sur échappe, soit sur F2, soit sur F9, parfois sur F10, F11, F12. Je ne sais pas pour votre ordinateur, mais certains ordinateurs aussi, il faut appuyer sur fonction numérique avant d'appuyer sur les F4, F5, F6 et autres là. Donc c'est tout pour les tutos d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, beaucoup de partage. Voici le lien qui vient de sortir en bas de la vidéo. Je vais mettre aussi le lien dans la